Good morning, l'ESCE. Je suis la promo 2007, donc j'ai commencé l'ESCE en 2003. J'ai fait mon stage de fin de première année de 2 mois à Londres, chez KPMG. J'ai fait 6 mois en Espagne, à Salamanque, comme mon échange de deuxième année. J'ai fait ma dernière année en échange à Londres, à Westminster, ce qui m'a permis d'avoir le double diplôme ESCE et celui de l'Université de Westminster. Les échanges, je dirais, et ça va être drôle, les cours de langue. Parce que je me suis jamais rendu compte, avant d'aller à Londres et de bosser à Londres, à quel point c'était important les langues. Et quand je me retrouve dans des pays anglo-saxons comme Londres, où j'ai vécu pendant 5 ans, et Sydney, où j'ai vécu pendant presque 6 ans, quand tu leur dis que tu es relativement fluent en English et que tu as réussi à apprendre l'espagnol, ils n'en reviennent pas et tu te rends compte que ça peut t'ouvrir des portes. Il a fallu que je me pousse un peu à partir à l'étranger pour faire les stages. Mon premier stage en Angleterre, mes 6 mois en Espagne, mon année à Londres. Je me suis un peu forcée à le faire et aucun regret. C'est une expérience incroyable. Après mon année d'études à Londres, j'ai postulé directement pour bosser chez KPMG en audit externe. Et donc avec KPMG, j'ai fait ma qualification d'expertise comptable. J'y étais pendant environ 3 ans et demi, 4 ans. Et après, j'ai transféré avec KPMG de Londres jusqu'à KPMG Sydney. Donc je suis arrivée à Sydney en juin 2011. Et je suis partie en novembre 2015, après 8 ans en audit, pour aller rejoindre une boîte qui s'appelle Broad Spectrum. En septembre dernier, j'ai été promue Compliance and Technical Accounting Manager. Et donc je fais ça depuis les derniers 5 mois environ. Les gens ici se lèvent tôt, se couchent tôt. Moi, comme j'habite à Manly, je suis juste à côté de la plage. Donc si je me lave à 6h du matin, il y a plein de gens sur la plage qui nagent, qui surfent, qui courent, qui font du beach volleyball. Je vais souvent surfer avec des copains, soit à Manly ou sur les plages du Nord. Et puis après, on se retrouve pour le petit déjeuner. C'est une institution en Australie, le petit déjeuner le week-end, le brunch. Ici, c'est assez informel. Beaucoup moins bureaucratique. Et par exemple, je vois quand j'étais chez KPMG, les partenaires sont... très facile d'approche, ils veulent que tu viennes leur poser des questions, ils veulent que tu viennes discuter avec eux, il n'y a pas de barrière. Et ça, enfin, pour moi, je trouve que ça facilite vachement le travail. Prendre le ferry pour Manly, parce que c'est ce qu'ils disent dans les guides, c'est là que tu as la plus belle vue du port. Coogee to Bondi Walk, ouais, magnifique. Prendre des cours de surf à Manly, je dirais. Il faut essayer le surf quand tu viens en Australie.